L'équipe de l'émission GIE qui est diffusée ce soir, on le rappelle, à 20h, Félix a eu un accès exclusif à une importante opération antidrogue dans la forêt amazonienne au Pérou. Allô? On était tout près de Pucallpa, ouais. De l'autre côté, si on veut, à l'ouest de la cordillère des Andes, et puis avec la police nationale péruvienne et une agence aussi qui est responsable d'éradiquer les feuilles de coca. On a justement découvert comment on était en train, dans le deuxième pays producteur de cocaïne au monde, d'éradiquer, de tenter de mener une lutte contre justement ces gens qui font pousser la feuille, ceux qui la transforment en pâte de coca et aussi en cocaïne raffinée, parce que le Pérou, deuxième producteur mondial, a cultivé 95 000 hectares l'an passé de feuilles de coca. C'est assez pour envoyer des tonnes de cocaïne un peu partout sur la planète, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent au Québec, au Canada. Les liens entre le Pérou et le Québec particulièrement se raffinent d'année en année. On a la preuve de ça, la preuve documentaire, des entrevues qui le confirment. Alors regardons comment ça se passe sur le terrain. Nous arrivons dans les champs de coca, désertés par les cultivateurs. Des centaines d'employés de Cora, une agence financée par les Américains et le ministère de l'Intérieur péruvien, arrachent les plants. You already lost. Men in the field, right? Mais vous avez déjà perdu des gens dans les opérations, n'est-ce pas? Si, en años anteriores. Au cours des dernières années, nous avons perdu bon nombre de travailleurs. Nous avons donc été contraints de nous tourner vers la police nationale péruvienne. Il s'agit de cultures illicites dont certaines personnes profitent pour produire de la drogue. C'est très, très risqué. Pour réduire les risques, on fait appel à la police nationale péruvienne qui assure notre protection pour nos déplacements sur le terrain. Avec l'armée nationale, on va aussi procéder à la neutralisation de pistes d'atterrissage clandestines. On a eu accès aussi aux entrepôts où on stocke le résultat des perquisitions en matière de stupéfiants également. Il y a un aspect politique à ça parce que ça fait plus de 50 ans maintenant que les grandes démocraties mènent une lutte effrénée contre les drogues. Là, une énorme répression. Selon les principaux experts, cette lutte-là n'a rien donné. C'est un constat de chercheurs, de scientifiques en la matière. Alors, il y a un aspect politique à tout ça. On va aborder la question ce soir à 20h. Nouvelle case horaire, JN, n'oubliez pas, 20h ce soir. On va regarder ça, Félix. Merci beaucoup.